Eh bien, bonsoir les gens, c'est Ouli. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil. Dans l'épisode précédent, nous avions battu Dan, qu'on a acheté au layout, qui était le doyen de Oula Oula. Après, on a fait la rencontre de Gladio qui a voulu se battre contre nous, qui cherche Lily et Cosmog, qui ont été kidnappés par Apocine de la Team Skull, mais emmenés dans le Paradiseur, donc c'est un peu bizarre, je comprends pas trop qui fait quoi et pourquoi. Mais bon. On est au Paradiseur, on a exploré un petit peu, on a rencontré Sobon, on l'a combattu. Et maintenant, nous allons aller dans le sous-sol du paradis. C'est là où on risque justement de retrouver Lily et de voir toutes les manigances de ce paradis qui est de plus en plus chelou. Et nous allons partir. Allez, Gladio, je suis prêt. Ah, quoi, je me suis pas soigné. Bon, allons-y. Ok, il nous a tendu un piège. Bah, rien n'a changé ici. On dirait que ça fait déjà 2 ans. Waouh! On dirait une base secrète, c'est trop bien! Tu peux pas rester concentré 2 minutes. Enfin, c'est toujours mieux que d'être mort de trouille, je suppose. Bon, on fait quoi? Il y a 2 labos. Je vais prendre le premier, le labo secret A. Occupez-vous du B. Et pourquoi c'est toi qui décides? Et puis d'abord, comment tu sais tout ça? Et puis on est où? Il fait froid et j'ai faim. Surveille tes arrières ou te poser des questions inutiles. Ce fourbe de Sobon a déjà dû les prévenir. Oh là, il a même pas répondu. En fait, il a la trouille, c'est ça. Oh putain, il casse les couilles, Dilly. Bon, Oli, prends ça. Un rappel max. Bon, il est gentil, mais il me casse les couilles, lui aussi. Lily est en danger. Faut qu'on se secoue les carapuces. Alors, je dois faire le B. Ça c'est le A normalement, donc on y va. Non. Non plus. Ok, bon. Un intrus. Protégez le labo secret. C'est quoi, c'est des commandants eux? Un employé de la Fondation Aether veut se battre. Gros tas de morve. Vas-y, Aria de l'écume. Ah, c'est un peu nul et je vais prendre super cher. Je m'en doutais. Alors, vas-y, on fait une escarmouche. Bon, ça fait des petits dégâts, c'est pas trop mal. Et là, on va faire vampirisme. Bon, on l'a mis KO, on s'est soigné un petit peu. Par contre, faut que je réanime mon oratoria. Brutal et Bré passe niveau 41. Et j'ai battu employé de la Fondation Aether. Tiens, j'ai perdu. Quel dommage. Seuls les chercheurs sont autorisés ici. À mon tour. Goûte à la surpuissance intellectuelle du paradis Aether. Vas-y, je vais réanimer mon oratoria, comme ça il prendra un petit peu d'XP. En plus, il va level up là. Avec 2 rappels, je vais pas aller bien loin.
C'est quoi ta génération préférée? C'est la quatrième, Spider Cochon. J'aime beaucoup Sinnoh, l'ambiance qu'elle a et les Pokémon qu'on a eu de cette génération qui étaient vraiment. Je trouve un petit complément des anciennes générations, plus pas mal de Pokémon stylés, hein, Luxray, Pangoléon, Simiabrave, Starterra, Darkrai, Lucario, Rhinastock, Elekable. En vrai, il y a plein de Pokémon que je trouve vraiment sympathiques. Allez, Kuba. Presque KO. Là, je fais un repli tactique. Et je veux juste checker un truc sur Evoli. Ok. Allez, boîte à librer. C'est la première personne que j'entends dire que Pangoléon classe. Bah, moi, je l'aime beaucoup, Pangoléon. Hein. Je trouve qu'il a un petit flow. Est-ce que c'était le dernier doyen à vaincre? Non, il en reste encore un. Regarde, comme tu peux voir dans mon layout, il y a encore un qui est flouté. T'as fait quoi d'Evoli du coup? Ben, s'il évolue, je le laisse évoluer et on verra le moment venu pour peut-être le remplacer. Nous travaillons actuellement sur de nouveaux types de Pokéball. Elles sont censées nous permettre d'attraper des Pokémon qu'on ne trouve pas à Alola. Laisse-moi deviner, t'es là pour Cosmog, n'est-ce pas? Si tu veux savoir... Quelles expériences nous avons menées sur lui, il va falloir me battre. Origon 2, ok. Contre Oratoria, je sais pas s'il peut me toucher efficacement. Allez, Aria de l'écume. Pendant qu'il se booste. C'est pas oufissime. Mais bon, il fait que setup, donc je peux me poser tranquillement. Avec un peu de chance, on peut faire un aqua jet. Oh non, il tank. Il va me défoncer. Ok, je tank. Aqua jet. Il est quand même solide, hein, Rotario. Wow, t'as vraiment gagné. Comme quoi la rigueur ça paie. Cosmog est la clé pour ouvrir l'ultra brèche. C'est pour ça qu'on a utilisé pour nos recherches. D'accord. Allez, on y va. Peut-être mettre Brutalibré à librer du coup vu que. Je lui ai appris demi-tour. Ok, Gladio ici. En mode, mais moi je veux faire l'amour. J'ai déjà fouillé cette pièce, elle n'est pas ici. Alors inutile de perdre ton temps. Tu vois, Tibizor et moi on se ressemble. On a été créés pour servir quelqu'un d'autre. Mère me considère comme un accessoire. Elle me dit toujours comment m'habiller, comment me comporter. Tandis que Tibizor... a été créé pour servir à un but unique, combattre les Ultra Chimères. Il a été conçu ici même, dans cette chambre. Hey!
Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en, vous allez répandre vos microbes partout. Nous menons des recherches de la plus haute importance. Les mioches n'ont rien à faire ici. Nicole, ouvre! C'est tellement ça. On fait un combat double ou y'a juste moi qui me bat? Non, ok, Tilly est avec moi. Il a Raichu, donc il va peut-être pouvoir faire le taf. Donc je vais rester avec mon petit brutalibré. Et je vais faire... Oh, ça lag un peu. Un aéropiqué pour commencer. Ok, bon, il a rien compris, Tilly. Il y a deux Pokémon haut, il fait une attaque de type psy. Ah, ok. Bah en vrai j'ai pas trop de Pokémon pour lutter contre le type eau. Il me faudrait un Pokémon plante ou un Pokémon électrique en vrai. Bon, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais prendre comme Pokémon. Un fil d'allié à la limite, mais... Je sais pas. Allez, escarmouche sur Rose Abyss. Voilà, Serpent Gekao. Je peux pas faire grand chose, on va faire un vampirisme. En espérant être moins rapide. Ouais, c'est bon. Tu peux avoir Sinistrail. Ouais, mais j'aime pas trop Sinistrail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'une plante? Il y a un autre Coco d'Alolan, en vrai, ça me ferait rire de l'avoir. En vrai, ouais. Ça pourrait être drôle. Qu'est-ce que je vois d'autre? Floramantis, mais je suis pas fan. Sucrène, mais je suis pas non plus fan de ouf. Ouah, je vais regarder ça un peu en off. Comme on dit, là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. Les belles paroles ne suffisent pas à créer un monde idéal, tu comprends ce que je veux dire? Bon, vas-y, évolue, parce que tu m'as saoulé un peu. Même si je sais pas si je te garderai jusqu'au bout. Félicitations, évolue en Mentali. Alors, Mentali, le Pokémon Soleil, type Psy. À l'origine, il n'était doté d'aucune compétence particulière, mais il a développé un don de préscience pour se défendre. Choc mental, ouais, ça peut s'apprendre. À la place de Mimiqueux, j'ai vraiment Mimiqueux alors que je suis niveau 40. Ah, le combat n'est pas vraiment notre fort à nos autres chercheurs. Ceux du labo A juste à côté sont un cas à part. Ils s'entraînent sans relâche. Ce n'est pas étonnant vu la dangerosité du spécimen qu'ils étudient. Ouais bon, on s'en fout. Dites-nous où est Lily. Je te dirai rien. Même si tu nous as battus, c'est ça être un adulte menteur, tralalère. Moi je peux te dire qu'une chose, c'est qu'ils ne sont pas ici. Mais bon, tu as sûrement déjà compris. Il y a un livre qui ressort là-bas, peut-être que je peux avoir des infos. Oui, Tilly, va là-bas et laisse-moi tranquille.
Oh. Alors, rapport de recherche Aether, l'Ultra Brèche. L'Ultra Brèche a été découvert pour la première fois par le professeur Mon. Il s'agit d'un portail s'ouvrant sur une dimension parallèle. Nos relevés énergétiques suggèrent que des créatures semblables aux Pokémon vivent dans cette dimension. Nous les avons baptisés Ultra Chimère. Ok, c'était un petit truc très court. Ah oui, mental sur le layout, bien vu. C'est bon, j'ai mis mon mentali. Temporairement, on verra s'il reste. Bouge pas là, Tilly. Tilly. Ok, il ne sert à rien. On va aller directement au niveau du pan de contrôle alors, comme a dit le pro. Donc la boîte secret 2. Non! Laboratoire. Mais du coup, je peux pas accéder au labo secret là? Dans la pièce où il y a un bureau avec un PC, faut pas aller dessus. Ah. Mais ils m'embêtent avec leur PC, ils peuvent pas juste m'ouvrir la voie. Ah ouais, il est un peu galère à trouver. Rapport de recherche. Cosmog. Cosmog est un être provenant d'une dimension parallèle appelée l'ultra-dimension. Nous supposons qu'il fait partie des ultra-chimères. Lorsqu'il se sent menacé, il se sert de son pouvoir lui permettant d'ouvrir une ultra-brèche. Nous mettons actuellement au point un dispositif capable de simuler sa peur, ce qui permettrait de maintenir l'ultra-brèche ouverte. Si ce rapport dit vrai, alors Cosmog serait une ultra-chimère. On dit ça à Gladio et vite. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, on a appris des trucs sur Cosmog. Alors si j'ai bien compris, c'est sûrement une ultra chimère. Et quand il est en stress, il peut ouvrir une ultra brèche pour s'échapper. Quand il est en stress, quand il a peur ou qu'il a mal, tu veux dire. Ça expliquerait pourquoi Lily s'est enfuie avec lui. Sa gentillesse finira par la perdre. Par contre, on l'a vu nulle part. Ça ne m'étonne pas. Je parie que Sobonne le savait. Damnation. Je crois que nous sommes fait avoir. Y'a pas à dire, le côté sombre et torturé, ça fait quand même classe. Bon, on le rattrape? On va pas le laisser tout seul quand même. Bah oui, mais moi je veux, hein, je veux me battre contre des gens. C'est juste que tu me parles trop, Tilly. Mais... Non, faut que j'aille dans l'autre pièce avec Gladio, non? Ah non. Oui. D'accord. Alors, je me méfie de ce bon. Ce vieux roublard a plus un tour dans son sac. On fait quoi? Alors, Vonzolta, tiens. T'en as beaucoup des questions idiotes comme celle-là. Bah, pourquoi t'es aigri comme ça? Faut pas, c'est pas bon pour ton teint. Prends un de plus, l'héritier. Nous avons reçu l'ordre du directeur Sobon. Maintenant que vous connaissez les terribles secrets du Paradiseur, nous devons vous éliminer, vous et vos petits amis. Ah ouais, rien que ça. Allez, Willy, avec moi. Ok, des Pokémon roche. Avec mon brutal ébris, en vrai, je peux faire un petit massacre. Allez, Flying Press sur Lilia. Nickel.
Allez, ça va aller vite. Allez, aéropiqué sur Anorit. Ah, bon bah sur Lilia du coup. Allez, c'était facile. Mais pourquoi les enfants d'Alola sont si forts? C'est quoi le secret de leur puissance? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils font le tour des îles. Bon, maintenant ça suffit. Vous nous avez fait perdre assez de temps. Bougez de là. Ah, merci Willy et Bruta Libre. C'est en connaissant ce partenaire par cœur qu'on peut se donner à fond et gagner des combats. Bon, on s'en fout, on y va. Mais je dois tout de même l'admettre, je suis content de vous avoir à mes côtés. À croire que Tilly ne racontait pas que des conneries au Dôme Royal. Avoir des alliés sur qui on peut compter, c'est plutôt pas mal. Oh, mon petit prince! Quoi? Petit prince? Oh, les dossiers! Quelle joie de te revoir! Willy, Tilly, laissez-moi soigner vos Pokémon, ces pauvres petits choux! Vicky, tu sais où est Lily? Oh, ben, je pense qu'elle doit être auprès de la présidente. Dans ce cas, j'y vais. La présidente, c'est bien Elsa Mina? Bah, c'est bon alors, elle est gentille, elle voudrait bien nous écouter. Ouais, ouais, elle est gentille tant qu'elle t'a pas dans ton radar. Mais la porte est fermée à clé. Encore? C'est pas un problème. Il parle beaucoup, il parle beaucoup. Allez, laissez-nous passer. Alors les dresseurs en herbe, vous vous êtes bien promenés en bas? Quand je vous ai voulu débouler ici, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Je savais que vous essayeriez d'aller voir la présidente. Mais bon... Ce bonnet là, et il veille au grain. Je me suis posé en embuscade ici, devant le manoir de la présidente, pour me rattraper de vous avoir laissé filer tout à l'heure. En fait, si je vous ai laissé aller en bas, c'était pour avoir le temps d'assembler une équipe, afin de mieux vous cueillir. Eh ben... Alors, absolument. Eh, c'est qui le directeur? Ah bah oui, vous faites moins les malins, les morveux. En tout cas, merci, maintenant on sait que la présidente est là. Vous là, arrêtez ces enfants au lieu de rivasser et bon sang de bonsoir. Tant à perdre avec ces âneries, avec moi Willy. Ouais, ils sont un peu longs là, j'ai envie de me taper là, de trouver Lily, de me barrer d'ici. Ah, ils ont deux Pokémon quand même. J'ai pas des bons Pokémon, on va faire demi-tour. Mon meilleur Pokémon pour gérer les deux, en vrai, c'est Lugarok. Hein. Il a ni faiblesse feu, ni faiblesse électrique. Ah, j'ai quand même pris cher. Je vais peut-être tenter un tombe roche. Faut juste que je vois si ça... Ouais, non, on va faire un Vifrock. Ouais, pour Inazuma Eleven 2, je me rappelle des galères des persos. Parce que moi, je l'ai tryhard à l'époque en... sur DS. Allez, Magmar. Un petit Vifrock pour le mettre KO.
ça va être compliqué. Brutalibri passe niveau 42. Oratoria niveau 43. Et ouais. Démolos. Je vais tenter un tombe roche. Et si je frappe bien, je vais peut-être mettre KO les deux. Ah non, mince. Ça touche qu'un seul des deux. Bah vas-y, démolos. Voilà. Je vais tomber KO, mais c'est pas grave. Et là, pour l'exprint. Vas-y, je m'ossature. Et Osmerang. Ah mais c'est pour ça que je joue jamais Ossature aussi, c'est parce qu'il sert à rien, à chaque fois il rate ses attaques. Je suis tombé sur un Ossature Bigleu. Je suis bon pour tourner à mes occupations quotidiennes de protection des Pokémon. Votre victoire éclatante n'a donné naissance à une ombre dans mon cœur. Hein? Comment des enfants peuvent nous humilier de la sorte? Merci pour le coup de main, je te revaudrai ça. Bon, à vous de jouer. Donnez à ce bon la leçon qu'il mérite. Quelle outrecuidance! Comment oses-tu? Vous allez voir de quelle boîte je me chauffe. Je suis le directeur des airs, moi. C'est parti pour un combat multi. Allez, je l'ai même plus utilisé, il m'a saoulé. Oh, salut Black Ash, qui est en retard. Comment ça va? Ok, il a 2 et 3 Pokémon. Je suis soigné moi ou pas? Je crois que ouais. Ouais. Nickel. Bah, je peux pas faire grand chose en vrai. Je vais faire un petit aéro-piqué sur Coxyclac, histoire de faire des petits dégâts, mais... Ça va pas être ouf. En plus, Tilly adore faire des psychos nuls. Ok, il y a un attaque type électrique, je me rappelle. Mais bon, au moins je suis là. Je vais faire des petits dégâts. Dernier recours, ça fait quoi déjà ça? C'est quand t'as plus d'attaque, non? Ouais, c'est pas intéressant. Demi-tour. On va switch de Pokémon parce que là le match-up il est pas ouf. Je vais mettre Oratoria. Tilly, il est chiant, je trouve. Oui. Enfin, au bout d'un moment, il parle pour rien. Des fois, il est en mode hey, trop marrant, les gars. Venez, c'est grand, hein. Et t'es en mode mais mec, on est en train de se taper contre tout le monde. Toi, t'es en mode lol, trop marrant, j'aime bien les gens. Moi, il me saoule un peu en fait, à force. C'est bien d'être enjoué, mais il est jamais sérieux. Là, je vois des mecs qui sont un peu en mode ok. On va aider Lily. Tu vois qu'ils sont un peu plus sérieux quoi. Vas-y, je fais un aria de l'écume, je m'en fiche de Tilly. Il va prendre aussi hein. Aucun dégât, il est vachement tanky, hein, Kaorin.
Alors, voix en glace. On va revenir à bout. Platine Heart Gold, Mythic, c'est que sur un Pokémon. Ouais, c'est un objet qui donne à un Pokémon qui gagne autant, enfin un peu plus d'XP comme quand il joue pas. J'ai très mal expliqué, mais c'était un objet à tenir et ça marchait que sur un Pokémon. Et petit à petit, c'est devenu une norme, et plus besoin d'objets, plus rien. Ah, je suis un peu bloqué là. Vas-y, je fais Aqua Jet. Ok, il m'endort. Nickel. Attili, il fait aucun dégât. Et je vais switch de Pokémon. Et je vais mettre Sarmurai, je pense. Je vais faire une griffe pour moi. Parce que Kuba, je pense qu'il va pas m'attaquer. Ah si. Bon bah. Allez, tu tombes KO. Merci, au revoir. Pouvoir lunaire. Oh, c'est très bien ça. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, il va envoyer quoi comme Pokémon? Dentikris. C'est type O ce truc. Je crois. Tiens, on va le calmer un coup. Ah non, c'est type Psy et O, je pense. Et non, j'aurais peut-être dû faire. J'ai pas été malin. Ton équipe est puissante. Ouais, en vrai, ça va. Hein. Il y a juste Ossature et Mentali qui sont un peu à la ramasse. Mais sinon, en vrai. Oratoria, Brutalibré, Lugarok et Samurai, très solide, je trouve. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi je veux sauver Lily. Allez, en avant! Eh hey, monsieur Zobon, merci pour la clé hein. Oh, j'ai horreur des enfants. Ouais ouais. Allez, laisse-moi passer, gros puant. Ah ouais, ça goûte de sbire. Ça veut dire que la Team Skull et la Fondation Ezer sont du même côté. Oh, le coup de théâtre, juste tout le choc. Mais bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Allez, Oli, on leur rentre dans le tas. Écoute, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Coupe là, parce que ça risque d'être un peu trop long, sinon, parce que là, j'ai l'impression que je vais me battre encore 10 fois.
Comme ça, on fait au moins une partie avec que le Paradiseur, une partie avec la Team Skull, et peut-être on trouvera Elzamina et Lily, qui sait. Bref, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil, et d'ici là, je vous dis à très bientôt.